C'est une délégation de la coordination nationale Fulbe et Halipoular qui a rendu visite aux différentes familles victimes de tueries pendant les récentes manifestations en Guinée. 6 familles endeuillées ont été rencontrées par la délégation composée d'hommes et femmes. De Kakimbo, c'est Mamadou Bellabari, tué le 28 juillet. À Hamdallaye, c'est Tienne Mamadou Diallo, tué le 1er juin à la suite de l'augmentation du prix du carburant. En passant par Dar es Salaam, c'est Amadou Camara, tué le 19 août. À Bambeto, c'est Alpha Omar Barry, tué le 17 août. À Koloma, c'est Mamadou Lamarana Barry, tué le 29 juillet. Jusqu'à Wanindara, c'est Ibrahima Baldé, tué le 17 août. Tous en 2022, les responsables de la coordination ont adressé les condoléances. Non, mais Alhaji Ousmane Baldé Fatako, il nommé. Hande im e maku mabbe yo men hewtu kabe waranaabe gedalbe mudum men munyintinabe ko feji kom men andinabe kadi sunno on ko lagine fo hawti ha hewta kanyum e mawbe waranaabe ben haray ko tipude dum wadi hande si men immi men jetti o nyallal fi jindugol e wada dum don nelal Fouta Diallo haray e inshallah non mede way munyanade Allah kono wombe men e wardabe men munyanta ko be fi hondum no anda dun do wawata nabirde leydi yeso haray nangugol kanyun kadi goddo ngi e hore toñe sokamo fi mo wawli gonga dun don kanyun kadi nabirta leydi ndi yeso haray menen ko men toroto yo bibbe lagine ben fo won hunde wotere tawa hara neddo si abonna a hula e banni abonna si abonni hula beru ko bonnuda kon kono bonnuda abonna si a woni ko a wowlowo ko tawata hara ko nanditi e gonga ma hara ko gonga dun do wona a wadi crime mi sikka dun non kanyun kadi nabira leydi ndi yeso hara meden tori yeso bebe yo be dartu golleji din wota be dartu faaleji yo be jojju e hore wobbe ta wobbe jojju e hore mabbe fi hondum feccirino ni nyande go kadi e dun non woni continuer min sikka non kanyun kadi dun do duday mojjinande hakkundeji meden ko yobe yarlo men yarlini be menen kadi men yarli kare ko be yarloro fi Allah ene laado Allah be accana Allah hara men accana be accanali kadi warbe be partout où la délégation est passée les parents des victimes sont dans la tristesse et l'émotion. Certaines mamans ont toujours du mal à retenir les larmes par rapport à la perte de leurs enfants. Ko Mamadou Bella. Pour yo wara ko vendredi fe do hebi lewru. Way kun kun na greve ko. Ko gollo won biredi simple. Kanko woni fi amé. Ko ma pini men ko me yettu fure on. Mais sura mo borbe wara me ronku golla me ronku marsu dai fus. Pour yon yetta ke joni fo mon ko on ko Allah julbe Allah be walli to men kadi haray be joni tire men fule on haray ko dum men fala say woni yara Allah no moyo hetto haray wallu men haray no hetto ro fi Allah haray ko dum men fala o hetta ke ha joni on ko am welti ke mi duwi ke welti ke mi yalde ke boban mo yob min kan min yob yallo mi yalla ni ke mi yalde ke boban kawi ko wadi lan. Des enveloppes symboliques ont été offertes aux différentes familles visitées par la coordination nationale Fulbe et Halipoular. Nous remercions sincèrement la délégation Halipoular de nous avoir rendu visite pour nous réconforter encore de plus. Vraiment, on est très fiers, nous sommes très très contents et ravis de leur visite et ça nous réconforte encore de plus. On a su à travers leur visite que nous ne sommes pas les seules victimes. Ils ont compati à notre douleur. Vraiment, on les remercie infiniment. Mi la vente no go ekono na fota ko hande num mi welti fi on dum ono mombe leydi ndi on seni ke kamo on andini men
boyene yalla yobbo. Parmi toutes ces victimes, seul Tierno Mamadou Diallo, tué le 1er juin à la suite de l'augmentation du prix du carburant, a été enterré. Pour les autres, les parents attendent toujours la restitution de leur corps par les autorités judiciaires.